Le 1000%, 1000% c'est quoi? C'est les battles sauvages, à la défense, pas d'argent, pas de moyens. Enfin, avec Rayon, on faisait tout, en fait, tout simplement. C'était devenu la suite ou l'extension de Châtelet-Halles de l'époque, où j'organisais déjà à l'époque, entre 1995 et 2003, déjà pas mal de manifestations. Mais 2004, c'est pas pareil, parce que tout d'un coup, je donne un nom à mon travail. Bah, j'avais l'événement où tout le monde pouvait venir à la défense, parce que c'était gratuit, qui était accessible à tout le monde. Et le soir, pour ceux qui pouvaient pas voir l'événement, c'est-à-dire le sud, le nord, l'ouest et l'ouest, la France, quoi. Eh ben, ils avaient accès à des vidéos, mais le soir même, il y avait le concept des battles, mais ce qui intéressait le plus les gens, c'était évidemment le battle sauvage. Le moment épicé, le moment que personne n'attend, le truc à contre-pied, genre tu viens pour regarder, tu t'en pars de l'événement, ou tu viens pour regarder, t'es la victime de l'événement. Parce que c'est dans un cadre qui est très très underground, donc en fait c'était quand même assez violent. Monde-là, les gens ils te donnent rien gratuitement, quoi. Pour être reconnu, ben tu vas castagner, tu vas te battre jusqu'à un moment, ben ils ont plus le choix. C'est aussi ça la danse, en danse pour être aimé. On veut que les gens nous regardent, on veut que les gens nous kiffent, et quand ça vient pas tout de suite, ben on est un peu frustré, quoi. Le chemin de la vie, quoi, parce que plus quelqu'un est loin dans sa danse, bah moins il va trouver que tu danses bien et il va te mépriser un peu. C'est pas forcément il te méprise, mais c'est que il regarde quelque chose de plus loin, donc il regarde pas derrière et toi t'es derrière lui, donc quelque part t'es dans son rétroviseur. Tant que t'es pas proche, bah il te calcule pas trop, quoi, en fait. J'ai été le premier à organiser les battles pour les débutants. En parallèle, j'organisais aussi les battles de ouf à Gare de Lyon. Et j'ai pris la lumière malgré moi, finalement, en allant dans le staff 1000%. J'ai été adopté donc par Yuval pour organiser tous les 1000% qu'on a organisés pendant plus de 10 ans, en fait. Chacun gérait un petit peu sa partie. Yuval, c'est plus le break, Henrik, c'était le new style, secondé parfois par Playmo, Tony, c'était la house, Stiga, c'était le pop. Moi, je supervisais un petit peu le tout. Il m'est arrivé de venir avec une enceinte reliée à une batterie de voiture pour pouvoir mettre le son. J'ai eu des problèmes en fait au tout départ parce que je suis danseur debout, j'ai un peu une âme de breaker. Je respectais quand même l'aspect clubbing de la house parce qu'à la base c'est une danse de club, mais je voulais quand même garder cet esprit de battle et le développer en vérité. Et donc ce qui se passe, c'est quand lui vient, il propose la house au niveau de la culture de l'underground, ça se prête pas. Pour des raisons qui toutes simples, c'est que je pense que Tony, il n'avait pas la légitimité qu'il pensait avoir dans la house, premièrement. Deuxièmement, parce que la plupart des anciens de la house, je pense qu'ils étaient, ils voulaient être trop conservateurs par rapport à la house, et que l'esprit était clubbing, et que nous, on ramenait ça plutôt dans un cadre qui était plus battle. Ce que moi, j'ai appris, c'est tout le côté orga, en fait, mais sur le terrain. Ça m'a permis, moi, de me faire un carnet d'adresse et de me faire un nom par rapport aux danseurs. Parce qu'il faut savoir, moi, je suis de Montreuil, mais c'est vraiment l'époque où moi, je commence à vraiment beaucoup fréquenter les danseurs parisiens. Un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un concept de dingue, j'ai un concept révolutionnaire. Je vais aller balance ton concept. Au fur et à mesure qu'il m'explique son concept, j'ai trouvé que c'était magnifique. Enfin, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. J'ai imaginé
16 b-boys, 16 danseurs debout, donc 4 danseurs debout par catégorie, house, pop, lock et new style. Je mettais un b-boy avec un danseur debout au départ. Chaque équipe gagnante choisit un danseur en face. Ce battle-là, il appartient à la ville de Montreuil parce que ça me tenait à cœur d'installer un événement, un battle de danse all-style à la ville de Montreuil. Voilà. C'est pyramidal, on danse à deux, on finit à trois, à quatre, à cinq. Le nom est parfaitement trouvé, ça veut dire fais ton choix par rapport à la personne qui est en face de toi et qui a perdu. L'usine avec un Z, tu connais déjà. On vient pour tout casser, tu peux rentrer chez toi. L'usine avec un Z, tu connais déjà. De faire crier la foule et lever les bras. Quand t'entends du gros son en plus dans la mairie avec des b-boys qui viennent, qui se donnent à fond, tu vois. Et même des mecs qui sont passionnés, tu vois. Ce que je voyais, c'est des mecs aussi passionnés qui sont venus regarder le spectacle. Des mecs qui venaient de loin aussi, tu vois, juste pour regarder en se disant, tiens, il y a lui, tu vois, c'est des fans, frère. Je suis passé du mec qui commence le breakdance dans le Haut-Montreuil, il n'y a pas trop de perspectives d'avenir, à un mec qui se met à voilà, rentrer dans des battles à niveau international. Et Tonyz, il arrive à faire venir des mecs du Japon, de l'autre bout du monde, du Brésil. Donc après, forcément, c'était une fierté de pouvoir les rencontrer en vrai. C'est des idoles un petit peu, c'est des gens que je regardais toute la journée sur les réseaux sociaux. Et c'était incroyable parce qu'à Montreuil, il y avait très peu d'événements de danse, encore moins de breakdance. Donc un battle comme ça au niveau international, c'était une inspiration, une motivation incroyable. Surtout quand Anis l'a fait, quand j'ai vu Anis les affronter, ça m'a boosté de ouf. Et c'était quelque chose de voir autant de monde arriver voilà, dans cette petite ville qui est Montreuil. Et ça a fait vivre quelque chose pendant plusieurs années, vraiment. Juste le concept d'avoir un événement qui justement regroupait l'énergie du b-boying avec l'atmosphère aussi de la danse hip-hop et les deux qui fusionnaient, bah, déjà, c'était déjà un gros plus en termes d'événement. Ensuite, le concept d'avoir des personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam se retrouver dans une même team, tout le monde arrivait à trouver un terrain d'entente et à créer des choses incroyables, j'ai envie de te dire, sur le moment. Et ensuite, ben, ce concept un peu de flunch où j'ai gagné, alors je vais prendre ma commande dans l'équipe de l'autre. Ça donne l'opportunité de danser avec des danseurs qu'on aime bien, d'autres disciplines qu'on n'aurait pas forcément rencontrées. Ben, y a quand même une grosse place au hasard, à la chance, à l'instant. T'as pas le temps, t'as pas le choix, faut y aller, chacun met son grain de sel. Des fois c'est hyper improvisé, la combi, même pas tu l'as révisé, tu te l'es dit verbalement et faut y aller. Donc j'aime bien parce que du coup c'est vrai que t'as un peu plus de piment, t'as beaucoup de place aussi à l'improvisation. C'est des trucs un peu classiques mais du coup que tu vas faire à l'instinct sur le moment avec l'alchimie que tu peux avoir avec ton équipe sur le moment. Donc ça c'est quand même hyper cool et particulier à ce battle. Quand Tony m'a contacté pour Make Your Choice, je lui ai pris la tête. Je lui ai posé plein de questions. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement été amené à, entre guillemets, à me faire boycott dans les événements qu'à un moment donné, j'ai dit maintenant, je suis obligé de demander. Je suis obligé de demander qui sont les juges, je suis obligé de demander qui est le DJ, parce que je me suis retrouvé dans des battles où même le DJ te boycotte. C'est ouf. Sans le vouloir, je me suis retrouvé avec une team qui m'a compris. Le petit là, c'est un instrument. Bah, il parlait pas trop anglais, mais j'essayais de lui parler et tout. Et des fois, c'est marrant parce que quand tu fais les deux contre deux, des fois c'est toi qui vas ramener. Puis là, c'était pas moi qui ramène. C'était lui la galette. C'est pas moi la galette. C'est un tueur en face. Et des fois, tu sais même pas s'il va réussir ce qu'il fait, mais il se plante pas. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le projet, au-delà du battle lui-même, c'est la conception même qu'on a, Tony, sur les différentes formes, avec le fait que les gagnants peuvent travailler avec les perdants et au fur et à mesure constituer d'abord des solos, puis des duos, puis des trios, puis voilà. Et cette idée-là, je trouve ça assez formidable. Puisque du coup, tout le monde peut participer à son niveau. Il n'y a pas juste dès le premier tour, il y en a qui s'en vont, on leur dit merci, au revoir. Donc là, il y a une vraie chance pour tout le monde et une vraie émulation entre les différents danseurs. Et ça, je trouve cette idée vraiment formidable. Mmh.
Donc Maker Choice, ça a commencé en 2013. Aujourd'hui, on est en 2022. Donc ça fait 9 ans que le battle il existe. Ne croyez pas que c'est facile parce que j'ai déjà fait 5 éditions tous les ans. Il faut reproposer des choses, il faut reprouver des choses. Il faut refaire des mises à jour, proposer des actions pour les jeunes, proposer des actions pour les quartiers. Il faut surtout s'accrocher. Allez, là, j'y vais.